Bienvenue à Saint-Christol, bienvenue au sein du pôle œnologique, bienvenue à Viavino qui nous accueille. Vous êtes les premiers, le premier public à entrer dans ces terres donc dédiées au vin. Il y aura peut-être un peu de vin sur le terrain. Départ, on va essayer d'être à l'heure dans 4 minutes. Allez, Nicole. Donc, Shakiri, du club de Montbio, section locale de Lunel, qui rentre en première en position. Bravo Abdel, félicitations. Tassin, Tanguy, bien fini. Julien, Laurie. Tu es préparé pour ce genre de course, de trans. Bravo pour cette deuxième place. Sur le bar. 822, donc Robert Dalton, bravo, félicitations. Il est main dans la main, 823, 828, bravo à eux, messieurs. Alors ce parcours, bien. Non, c'est que le... rapide, exigeant. C'est le 21. C'est très sympa, on peut dans tous les vignobles. Ça donne envie de boire du muscat. Justement, ils sont là, ils vous attendent. Merci. Merci à tous les bénévoles. Et on assiste à l'arrivée des duos de marche. On a pris possession d'un site sur lequel vous êtes en ce moment, qui est le site, donc, le pôle œnologique de Saint-Christol, dénommé Viavino, qui nous accueille. C'est un site, je pense, qui aura l'ambition de nous accueillir l'année prochaine également. Maire Jean-Luc Bergeon. Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. La première manifestation sur ce site, ce soit une manifestation sportive, parce qu'il était important pour nous de donner un message fort sur l'ambition de ce projet, c'est-à-dire valoriser le pays de Lunel, les savoir-faire de ce territoire, ses caractéristiques et lier nos veines, nos muscats, nos savoir-faire à la pratique sportive. Parce qu'il est hors de question, évidemment, d'enivrer les gens lorsque l'on fait un projet de ce type, mais il est surtout question de découvrir toutes
toutes les richesses d'un patrimoine, toutes les richesses et les savoir-faire, je le disais, des gens qui composent ce territoire depuis des années. Et le sport est un vecteur, évidemment, très très intéressant pour nous. Et donc, vin et muscat et sport, vin et santé, ce fait partie des messages que l'on voulait porter sur ce projet.